Je suis avec Paul. Paul. Elodie. Ivan. Moi, c'est Niara, enchantée. Enchantée. Alors aujourd'hui, on est dans le show théâtral Africanda. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cet événement. Et ben, moi, je suis venue, j'ai accompagné une amie, en fait, qui est professeure au lycée d'une des actrices qui joue à l'intérieur. D'accord. Donc, vraiment bouche à oreille. C'est une élève qui m'a invitée parce que je l'ai croisée par hasard à une répétition dans le Marais pour le spectacle. Mmh. Et j'étais très curieuse de voir le spectacle. Juste, ok. Ce qui m'a donné envie, c'est toujours l'envie d'apprendre de la culture africaine. Mmh. Ça m'a... Comment dire, j'ai toujours été intrigué par la culture depuis un certain moment, donc pour savoir plus sur mon histoire. Mmh. Et je me disais que cet événement, c'était une opportunité de plus pour pouvoir aller... pour pouvoir élargir tes connaissances, voilà. Ta culture, etc. Et que penses-tu du projet en général? Et bien sûr, qu'attends-tu du spectacle? Bah, du coup, je sais assez peu de choses. J'ai appris l'existence du spectacle vu aujourd'hui, du coup. D'accord. Je découvre un peu ce qui ressemble du coup à comme ça, à dans ta voix. Ouais. Bon, tu t'imagines quand même un petit peu quelque chose de l'événement? Ouais, ou... je crois que je m'imaginais un spectacle. Apparemment, ça... Ouais. J'ai l'impression que ça va danser. Il y aura un petit peu de tout. Voilà. On laisse la surprise. Assez peu de... Ouais, donc t'attends de la danse. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, ok, super. Alors le projet est très vague pour moi, je sais pas vraiment ce qui va se passer, ce qu'on va voir, c'est très très flou. C'est flou encore. Donc j'attends tout et n'importe quoi. Ouais. Je trouve que c'est un projet ambitieux, que c'est une bonne chose et que vraiment tout, enfin ces moyens peuvent permettre aussi d'attirer la curiosité de plusieurs personnes qui sont en recherche de culture, surtout qui n'ont pas l'occasion. Qui n'ont pas eu l'occasion d'y avoir accès, donc si ça peut donner aux gens plus d'envie. Cette opportunité-là, voilà. De venir... Et aussi d'aller rechercher plus loin aussi. Plus loin, exactement. Ouais. Pour ce spectacle, j'attends à être surpris. Je n'attends qu'à être sublimé et être sublimé par ce qui me sera offert. Ok, super. Est-ce que tu peux me citer un roi ou une reine d'Afrique? Ah non, je ne peux pas, ouais. Non. Sundiata Keïta. Ouais. Par exemple, Sundiata Keïta, l'empereur du Mali, ou encore Chaka Zulu, qui est roi guerrier sud-africain. Mm-hmm. Et il y a aussi, je ne sais pas si on peut parler d'une armée aussi, des guerriers. Vas-y, vas-y, dis-nous tout. Oui, j'ai aussi récemment vu fait des recherches sur les morts qui ont conquis l'Espagne et qui ont plus ou moins civilisé l'Europe. D'accord. Et ça m'a aussi surpris et fasciné en quelque sorte. D'accord. Alors du coup, on se dit à tout à l'heure. Tu vas revenir ici et tu vas du coup nous donner ton ressenti par rapport au spectacle. Très bien, je donnerai mon retour. Voilà, exactement. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure et merci. De rien. Hello Lena Lady, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Donc moi, en tout cas, ça brille. Aujourd'hui, me voilà du côté de l'île Saint-Denis pour le grand show théâtral Africanda. Orchestré par l'association Kassobera, Africanda est un vibrant hommage à nos guerriers, nos rois, nos reines, à notre belle Afrique que l'on appelle le berceau du monde. Puisque oui, l'Afrique ne rime pas qu'avec la colonisation. L'Afrique ne rime également pas qu'avec l'esclavage. L'Afrique, c'est des pouvoirs, des victoires, une grande richesse culturelle. Mais qui sont ces rois et reines qui ont fait briller l'Afrique? Que faisaient-ils? Comment étaient-ils? Tout cela, nous allons le découvrir ensemble à travers des scènes rythmées et des textes inspirés. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Bienvenue à Africanda. Thank you.
as-tu trouvé le spectacle AfriPanda? Ben, j'ai beaucoup aimé le spectacle. Les acteurs ont fait un bon travail. Ouais. La mise en scène était très bien. Mm-hmm. Nous avons su nous porter dans l'histoire qu'ils ont voulu nous raconter. Et il y a certains petits détails qui donnent aussi envie de faire des recherches du côté de plus nous informer en fait. Comme Moussa Moussa. Moussa Moussa, oui, c'est vrai que tout le monde l'appelle comme voilà. Ça. Mais ouais. C'est Moussa Keïta. Exactement. Si voilà. Oui. Pour moi, c'est des infos, plus d'infos qu'on connaît davantage. Mm-hmm. Et même si bon, on a eu quand même quelques bases par rapport aux différents empereurs, mm-hmm. pour moi, c'est toujours bien d'avoir eu une interprétation live, vivre ouais. le truc. Alors, bonsoir, Sylvine. Bonsoir. Bravo déjà pour cette écharpe, vous avez fait comme pêche. Mais du coup, qu'as-tu pensé du spectacle AfriPanda? Tout ce que j'ai trouvé, c'est que ça a mis en avant la femme africaine et l'Afrique entière. Mmh. Ça m'a permis de m'inspirer parce que moi, je connais mon pays, mais je ne connais pas forcément le pays des autres. Mmh. Et là, grâce à cet événement-là, déjà, ça me fait plaisir parce que je me dis que certes, il y a des événements qui mettent en avant la femme africaine, mais il y a aussi des événements qui mettent en avant toute l'Afrique. Exactement. Et ça fait plaisir justement de voir qu'il y a des mises en scène parce qu'on peut lire des livres, mais aussi en regardant et en c'est voyant des mises en scène. Ouais. Voilà, on est mieux instruit et on comprend mieux tout ce qui se passe. Et ça fait ouais. plaisir. Franchement, j'ai trouvé que le spectacle était vraiment... J'étais vraiment très très surprise parce que je m'attendais à un show. Mais là vraiment ce que j'ai vu c'était vraiment... je trouve que notre génération a besoin de ça. Mmh. Et je suis vraiment contente que des femmes noires, des comme Fatou, comme vous, vous mettez en avant en fait afin que notre génération aille de l'avant. On a assez entendu les noirs écrasés. Là c'est le temps de qu'on se lève et qu'on fasse des choses. Et j'ai vraiment trouvé que c'était très explicite. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le spectacle en lui-même il m'a grave fait penser à Wakanda. Le film Wakanda. Bah, AfriPanda. AfriPanda, voilà, j'ai vraiment pensé à Wakanda. J'ai vraiment beaucoup aimé la scène de Sora. Là où en fait elle parlait du fait que bah, les colons, les portugais en fait pillaient nos terres. Et je trouve que c'est vraiment très important en fait parce que c'est la réalité. Et l'éducation nationale européenne ne nous enseigne pas assez ça. Ouais, ouais. Et il est important que nous enfants noirs, africains, qui sommes nés en France ou qui vivons ensemble, la jeunesse africaine doit savoir en fait que bah, en fait, avant tout ça, il y a eu un avant. Ouais. C'est ça. Et on ne vient pas d'ici, on vient de quelque part. Et l'Afrique est une richesse que nous devons exploiter. Et... Voilà. Mais est-ce que tu serais pour ou contre une deuxième édition d'AfriPanda? Bien sûr, et le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ouais. Bien sûr, je serais pour. Pourquoi? Parce que bah, ça nous instruit et je pense que là déjà ils nous ont instruit certaines parties, ils nous ont pas tout instruit parce ouais. que l'Afrique regorge de énormément de choses. Mmh. Comme à un moment il y a eu une personne aussi dans la scène qui a dit, enfin pendant le spectacle qui a dit il y a des personnes qui nous volent nos terres. Donc en fait l'Afrique s'efface parce qu'on fuit l'Afrique, mais on devrait rester dans notre continent parce que notre continent il est beau, il est riche et justement on devrait rester là-bas parce que voilà, on devrait arrêter de laisser les autres nous prendre nos richesses à nous. Franchement je serais vraiment pour. Ouais, vraiment pour. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait notre génération a besoin de ça en fait. Notre génération a vraiment besoin de ça et de manière théâtrale, je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux en fait parce que écouter des cours, moi je sais que par exemple moi aller dans une université pour écouter ça, ce sera pas pareil. Mmh. Mais là en fait c'est captivant. Et ouais. Je trouve que. D'accord, mais si tu as un mot à ajouter et à dire à l'équipe. Bon ben tout ce que j'ai à dire c'est que je remercie chaque équipe de chaque organisation pour l'organisation de cet événement. Ce fut vraiment une bonne soirée et un bon moment qui a été vécu. Nous avons aussi profité pour avoir de bonnes connaissances et par rapport à l'Afrique, avant de savoir où, il y a quelqu'un qui a dit qu'avant de savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc déjà que depuis le continent africain, il sera important de se renseigner assez tôt en fait, d'avoir des connaissances sur notre propre histoire. C'est très important pour savoir comment avancer et où aller à la fin. D'accord. Je dirais continuer dans cette lancée. Ce que vous avez fait, c'est super beau. Ça donne envie en fait à toute personne de pouvoir créer son propre projet, de pouvoir mettre en avant l'Afrique. Moi aujourd'hui, je suis Miss. C'est pour montrer justement aux gens que voilà, on peut être Miss France, Miss tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas oublier c'est que son continent, comme vous l'avez dit, n'oublions jamais de là où on, enfin, de là où on vient, c'est très important. Franchement, vraiment, je vous encourage, continuez. Seul, on va quelque part, mais ensemble, on va loin. Continuez à soutenir cette association parce que c'est vrai qu'avec le soutien, avec la mobilisation de tous, on va très loin. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci à toi. Kumba. Oui. Comment ça va? Très, très bien. Un coup Naledi, un coup actrice, un coup...
combat, elle a 1000 casquettes. Franchement, est-ce que tu peux nous dire quel rôle tu as joué? Alors, dans le spectacle, j'ai joué le rôle de Kim Padita, qui est notre Jeanne d'Arc, on va dire, enfin notre Jeanne d'Arc de Congo. La reine de Cassovera, donc c'est un rôle fictif quand même. Donc ce soir, j'ai incarné la reine Zinga et aussi la Mama Africa. Alors moi, je jouais la reine des Amazones, donc Seydon Hombe, qui est vraiment la reine qui gère ses Amazones, qui part au combat, au front, qui a peur de rien. Et ce rôle me valait à merveille, quoi. Ah oui, oui, franchement, je confirme. J'incarnais le rôle de Nandi, la mère de Chaka Zulu. Ah, comment s'est passé les répétitions? Tout, dis-nous tout. Les comment est-ce que tu as fait pour jouer même? Ça s'est super bien passé. Il y a de cela 2 ans. Enfin, oui. Je vous raconte un peu l'histoire brièvement. Fanta, elle m'a appelée, Fatoumata Diallo, la présidente de Cassobera, pour me proposer le projet. Et j'ai tout de suite accepté parce que je trouvais que le projet Africain d'art, c'est grandiose. On nous a toujours raconté l'histoire, notre histoire. Et je me suis dit, pour une fois, nous-mêmes, on a décidé de raconter notre histoire à notre manière. Donc il fallait que j'accepte. Et les répétitions, ça se passait très très bien. On se voyait une fois dans la semaine. Ouais. C'était bonne ambiance. C'était parfait. C'était trop trop bien. Ça m'a manqué. Franchement, c'est quelque chose qui m'a grave me manqué parce que c'était vraiment... quand tu partais aux répétitions, tu disais « Ah là là, c'est le moment là, ça te fait trop du bien en fait. » Tu te ressources à chaque fois que tu pars pendant les répétitions. Et en plus de ça, le fait de rentrer petit à petit dans ton rôle, parce qu'il faut savoir qu'au début, j'étais pas forcément à l'aise pour parler sur scène ou même je savais pas comment jouer le rôle. Et quand j'ai réussi à m'imprégner de mon personnage, bah là, ça a été super cool et je me suis grave amusée. Du coup, oui, on devait faire Africanda en 2020, mais ça a été reporté à cause du Covid. Du coup, on a eu une longue pause. Donc, le spectacle était déjà prêt. On était déjà prêt en tant qu'acteur, etc. Et du coup, durant cette longue pause, c'est vrai que quand on a repris les répétitions, il fallait qu'on se remette en condition, qu'on réapprenne nos textes, qu'on réapprenne le rôle, etc. Donc au début c'était dur, mais après on s'est mis vite. Surtout quand la date elle approchait, là on a senti qu'il fallait en fait incarner les rôles tout de suite. Ouais. Mais sinon c'était génial. Okay. Au début on sent pas trop la pression, mais à la fin arrivé, on se dit ok, en fait c'est demain, c'est là qu'on doit faire les choses en fait. Ouais. Mais c'était super, c'était drôle, même si c'était dur. Fallait vraiment être carré, etc. Et nous, on a un groupe, on aime bien se disperser parce qu'on s'entend tous bien. Oui, une équipe. Mais franchement, c'était super. Franchement, on n'a rien lâché. On a continué à bosser, à se donner des rendez-vous, à venir, à travailler. Et on a fait tout ça dans la joie, dans l'amour, etc. Et là, on est tous dégoûtés que ce soit fini. Parce que... c'est peut-être l'occasion de faire une saison 2. De toute façon, moi, j'ai dit que je vise Bercy, je vise les Zéniths. Ça, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Donc, franchement, c'était top. Ça a été quand même assez compliqué au début pour moi. Parce que Nandi, c'est une femme qui a énormément d'assurance, c'est une femme puissante, c'est une femme forte, elle a peur de rien. Donc il fallait vraiment que je m'imprègne du personnage pour pouvoir me rapprocher au mieux de la vraie Nandi. Ouais. Donc ça a été ça la plus grande difficulté. Mais là, quel est ton ressenti après le spectacle? Parce que là, ça y est, c'est terminé. C'est terminé, je respire mieux. J'avais trop trop peur, j'étais stressée, mais c'était pas. C'était positif. Oui. Et je pense que le message est bien passé. Oui. Je pense que les gens ont répondu vraiment présent et ça fait plaisir. Ouais. Édition 2, là, ça y est, j'ai envie de repartir sur scène et de raconter notre histoire à nouveau. Parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien de transmettre ce message. Et j'espère vraiment pouvoir transmettre un plus grand message la prochaine fois. C'est passé tellement vite et franchement, j'ai qu'une envie, c'est de retourner sur scène en fait. Et même là, la pression, elle n'est pas redescendue. Ah bon? Ouais, mais c'était trop bien. J'ai kiffé incarner les deux rôles et je recommencerai encore et encore. Et je demanderai à la metteuse en scène de mettre plus de scènes pour moi parce que j'aime trop jouer. Ouais. Non, franchement, en toute honnêteté, tu dégages quelque chose sur scène. Merci. On a envie de t'écouter, on a envie de te suivre. Moi, j'ai bien ressenti la chose en tout cas. Merci. C'était court. Franchement, c'était court, mais c'était hyper bien. Franchement, c'était top. Si t'as un mot pour conclure, deux mots pour l'association Cassobera et un autre mot pour l'Afrique. Un mot pour l'association Cassobera, je dirais merci Cassobera pour ce qu'ils font. Et un mot pour l'Afrique, je leur dirais tout simplement de rester chez eux. C'est pas parce que je suis ici que je ne veux pas que les autres viennent, mais je vous demande vraiment de rester chez vous. Sinon vos ancêtres, ils sont en pleurs, ils sont tristes, ils sont...
ne sont pas contents. Et vous n'êtes pas vraiment souvent la bienvenue ici. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, bah merci. On est mieux ce soir, quoi. Ok, merci. Bah, à bientôt, à vite. Mais si tu as un mot à dire aux personnes qui ont raté le show, tiens, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Franchement, vous avez oublié d'où vous venez, sinon vous aurez su qu'il fallait prendre une place. Mais pour terminer, si tu as un mot à dire, une conclusion, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, tiens, à Casobera? Alors, je souhaite à Casobera de grandir encore, d'avoir une plus grande communauté qui la suit et qui a les mêmes convictions que celle-ci. Voilà. D'accord. Alors, on pense qu'il y aura Africanda édition 2, alors? Bon, j'ai pas envie de lancer des rumeurs, mais la manière dont ça a vraiment pété, ouais. Je pense qu'on va faire une deuxième édition. Okay. Je pense. Faut bien garder le « je pense ». Et moi, je pense que vous avez intérêt. Vu comment tout le monde a kiffé, je pense que vous avez intérêt. On va chuchoter ça, là, mettez dans ça. Ok. On va chuchoter ça. Un dernier mot pour l'association? Oui. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Oui, c'est ça. Donc, pour l'association, nous sommes l'association Casobera. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Facebook. Donc, Casso-8, Bera. Et du coup, voilà, bah, retrouver toutes nos activités dessus. C'est là où on communique un maximum. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Bon, déjà, pour les personnes qui ont loupé le show, dédicace à personne, fallait être là. Donc, voilà, mais en tout cas, je pense qu'à travers certaines vidéos, vous allez voir que vous avez raté un grand spectacle. Mm-hmm. Et que la prochaine fois, vous savez, quand vous entendez Africanda, ça parle de vous, ça parle de votre pays. Donc, venez, on vous attend. Et pour Casobera, un grand merci à vous, parce que sans vous, je pense que j'aurais pas pu jouer ce rôle à merveille. Et ça a été une très, très grande opportunité pour moi, même si je fais déjà de la scène. Mais là, ça a été vraiment un très profond. Je vais pas pleurer parce que, bon, je suis encore un peu maquillée. On va trouver un mouchoir. Je suis encore dans la comédie là. Mais sinon, non, franchement, c'est un grand merci, grand félicitations à vous et j'attends Africanda 2. Alors, moi, je voudrais remercier l'association Casobera d'avoir créé un projet aussi fort et je tiendrai à dire à tous les enfants de la diaspora, à tous les adultes de la diaspora, à tous nos petits frères, nos petites sœurs, d'apprendre vraiment l'histoire de l'Afrique pour savoir vraiment qui nous sommes. Bonsoir Fatou. Bonsoir. Comment tu vas? Je suis émue. Oui, ouais. Ça se sent. Je suis émue, je suis fatiguée. Oh ma pauvre. Et je suis contente. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es contente ce soir? Bah, un projet qui était dans ma tête était sur scène ce soir. Oui. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour le mettre en place. Faut penser à tout. Mm-hmm. Parce que en plus d'être l'auteur, comme je l'ai dit, et la metteur en scène de ce spectacle-là, j'ai mis aussi en avant mes compétences de coach en prise de parole. Mm-hmm. J'ai dû les apprendre à parler sur scène, sans micro, mm-hmm. pour des amateurs ou des personnes qui n'ont jamais joué. Donc ça a été difficile au début. Un réel plaisir pour moi par contre. Ensuite, il y a des logistiques, les costumes, les personnes qui ne veulent plus travailler finalement avec vous, mm-hmm. Des personnes... Franchement, ça a été très dur, mm-hmm. mais je suis contente du résultat ce soir. D'où t'es venue l'idée d'Africanda? Pourquoi? Bah, il faut savoir que moi, je sors d'une école de cinéma. Donc j'ai toujours fait du théâtre, j'ai même tourné dans un long métrage étant plus jeune, un film qui s'appelle Laurent et sa fille, où le réalisateur il s'appelle Antoine Basile. Et j'ai toujours été devant la caméra. Maintenant je me suis intéressée à l'écriture il y a 5-6 ans, j'étais très jeune. Hein. Oui. Et je me suis intéressée à l'écriture et j'ai commencé à écrire des mini pièces de théâtre de 3 minutes. Mmh. Et on les a fait avec l'association Casobera à la création en 2015. Et puis un jour je me suis dit en fait c'est pas assez. C'est pas assez pour montrer véritablement l'histoire de l'Afrique, c'est pas assez pour montrer la beauté qu'était l'Afrique avant l'esclavage et la colonisation. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut faire un show. Il faut faire un show comme les Américains, il faut faire un show théâtral, il faut choquer les gens, il faut amuser les gens, il faut faire rêver les gens. Et c'est là que je me suis dit, Africanda. Maintenant, pourquoi le nom Africanda? Africanda? Je vais pas vous mentir, ça vient du terme Wakanda. Wakanda, tout simplement. Juste je me suis dit, mais en fait, ça va, les gens vont être attirés, ils vont se dire, ah, c'est comme Black Panther. Ouais. Et je me suis dit, moi, je vais faire comme Black, enfin, je vais m'inspirer de Black Panther, mais en allant beaucoup plus loin dans l'histoire, en représentant directement bah, les ambassadeurs de notre histoire africaine, tels que Mansa Moussa, Chaka Zulu, Kimpavita, qui n'est pas très connue, mais qui est une prophétesse de la région du Congo à l'époque, qui s'est battue et qui a vraiment combattu contre les Portugais. Et je me suis dit, bah, c'est dommage qu'elle ne soit pas connue. Exactement, ça peut être une figure héroïque, féminine, mais pour nous les femmes noires. Ouais. Donc, voilà. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah, mais avant ça, paraît-il qu'il y aura Africanda 2? Je l'espère. Tu l'espères? J'espère qu'il y aura un Africanda 2.
en tout cas une suite ou une représentation de nouveau de ce show. Ouais. Là, on ne veut pas s'arrêter là, on veut vraiment aller beaucoup plus loin. Donc toutes les personnes qui peuvent nous aider à faire un show beaucoup plus grand que ce soir, eh ben, on est prêt à travailler avec eux. Vous pouvez compter sous nous, bien évidemment. Mais pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup de repos. Beaucoup de repos parce que c'était pas facile, mais surtout beaucoup d'amour. Oui. Parce que c'est vraiment avec amour qu'on a fait ces scènes-là. Les acteurs se sont donnés à fond, par amour, vraiment par amour. Et continuer de s'aimer, continuer à travailler et de ne pas abandonner. Ça, vous pouvez nous le souhaiter. Abandonner, ça a été, on était à deux doigts. Avec on n'a pas abandonné. Non, vraiment félicitations à vous. Merci beaucoup. Quoi, je vous souhaite plein de bonnes choses et j'attends Frigonda 2 avec impatience. Avec grand plaisir. Okay, pour terminer, comme tout le monde, tu fais un petit tour sur toi-même. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, madame. Ouais. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Oui, voilà. Voilà. Voilà, le show Africanda est terminé. C'était vraiment un magnifique show. J'ai beaucoup appris sur mon continent, l'Afrique. Bravo à l'association Cassobera. Bravo à Fatou, la metteuse en scène. Bien évidemment, aux acteurs, c'était magnifique. Vraiment, rien à dire. J'attends avec impatience Africanda édition numéro 2. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'association sur les réseaux sociaux qui s'afficheront ci-dessous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. C'était Niara alias Naliji. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine. Un bisou les Nalidji.